Oh, bienvenue, chers amis. Ouais, voilà pourquoi je suis cultivé. C'est parce que je lis. Alors bon, c'est sûr, c'est pas le truc le plus cultivant à lire, on va dire, le plus cultivateur. Enfin, ouais. Et ça, même souvent, ça peut prendre la tête, c'est pas possible. J'ai même pas réussi à le passer. C'est du costaud, hein, vous voyez. Attendez. Ah, quand même. Pas possible, c'est costaud, ça passe, ça déchire sur les côtés. Enfin bon, j'essaye pas avec le gros truc non plus parce que ça, ça va faire mal. Alors bon, aujourd'hui, quelque chose de bien spécial pour vous, comme tous les jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a préparé? Qu'est-ce qui va vous raconter? Je ne sais pas, vous allez découvrir en direct. Aujourd'hui, émission spéciale. Aujourd'hui, quelqu'un m'a proposé un sujet et m'a dit qu'il fallait que je parle absolument de ça aujourd'hui. Ce sujet, devinez. Non mais devinez plus vite que ça quand même aussi. Hein. Je vous donne un peu de temps mais... Ah, tu prenais pas trop. T'as une idée? T'as trouvé toi? Vas-y, dis, je t'écoute. Non? Bien essayé, mais c'est pas ça. Essaye encore. Non mais dis un truc quand même. Allez, dis un truc. Ah non. Ah non, pas ça. Bon d'accord, je vous disais, ok. On va parler des vagues. Alors qu'est-ce que c'est les vagues? C'est wouh, 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 wouh. Là, ça, les vagues, c'est pas une manière de danser. Il y en a qui font la vague comme ça. Il y en a qui font comme ça. Et ça passe au voisin, tu vois. Enfin, ils font ça, puis ça revient. Ça tape une belle bête, puis ça revient. Enfin bon, là n'est pas la question. Qu'est-ce que c'est une vague? Exemple. En plus, vous pouvez observer le magnifique coquillage phénomène. La vague, attention, sous vos yeux, hey bye. Wouh! Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'était une vague, je ne peux pas faire mieux que ça. Exemple technique, vous avez le bruit, le tout. Alors une vague. Explication scientifique. Une vague est de l'énergie qui se déplace. En gros, vous avez ici... Vous avez ici un bout de tissu. Ce bout de tissu quelconque, que certains appellent pyjama, enfin une jambe de pyjama en fait, et ben en fait, il est tout comme ça du plat. Avec, on peut faire des vagues comme un drapeau. Je lui donne de l'énergie en haut, ça se propage en dessous. Donc si je fais monter en haut, donc si le haut je le fais monter, le bas, il va récupérer cette énergie que j'ai mis dedans pour la faire monter et va monter lui-même tout seul après, regardez. Oups. Pour ça, il monte même plus haut parce que je retiens le haut pour pas qu'il monte trop sinon. Hop. Il remonte et puis après il n'y a plus d'énergie, il retombe. La vague c'est ça. C'est quelque chose, ça, la mer, ça, ce que vous voulez, qui reçoit de l'énergie et qui le propage. C'est une onde en fait. Une vague, c'est une onde. Je suis sûr que vous saviez ça, en fait je vous apprends rien. Mais bon, vous voulez que je vous parle des vagues? Alors moi j'y vais. Je vais pas trop faire les deux, sinon ça va faire des vagues. Et puis mince. On m'a dit de quoi parler. Je trouvais la rime en U au début. M'a pas dit comment je suis censé m'arrêter moi. De toute façon, vous êtes parti là. Ouh, j'ai reçu. Ouh, j'ai reçu un mail. Attendez, faut que j'aille voir.
Non, mais je peux pas vous laisser comme ça, les amis. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne sais pas. C'est pas bon. Vous voulez voir Benny qui fait des vagues avec la tête? Regardez, le pyjama sur la tête. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Restez blogués. Et vous pouvez vous entraîner chez vous si vous voulez. Laissez-moi des commentaires pour me dire comment ça s'est passé. Et voilà. Allez, salut! Ah!